Comme ça, on est à Costa del Sol. Chapitre 6, un paradis ensoleillé. Yuppo, Yuffie. Je pars devant. Merci. Franchement, c'est le genre d'endroit que je supporte pas. Je préfère qu'on s'attarde pas ici. Attendons voir où ils vont, eux. Et finalement, ils ont survécu. Vous voulez pas qu'on visite un peu? Quand même, on est à Costa del Sol. Costa del Sol. Yeah! Trop bien. Personnellement, ce que je voudrais, c'est me mettre au frais. Je suis en train de fondre. Barrasse ta fourrure. Costa. Soyez les bienvenus à Costa del Sol, chers voyageurs. Je suis le maire de la ville, Capone. Allez, allez. Voilà pour vous. Et voici. Veuillez accepter ce modeste cadeau. Merci. Ces colliers de fleurs sont indispensables pour se mettre dans l'ambiance de Costa. Oh, ils vous font à merveille. Dans ce paradis, le soleil brille tous les jours, sans exception. Et vous y passerez le meilleur séjour de votre vie, ça, vous pouvez me croire sur parole. Rien de tel pour oublier votre quotidien morose et insipide. Surtout, profitez à fond de la myriade d'attractions que nous vous proposons. Oh, j'aimerais bien prendre une douche avant. Trouvons d'abord un hôtel. Ok. C'est vrai qu'il faut prendre des douches, c'est important. Surtout, ne dites pas que vous comptez aller nager quand même. C'est quoi ces regards? Non, mais. Et elle m'ignore en plus. Non, un simulateur de combat mis à jour. Tu sais, c'est pas grave, Barrette. Hein. Ah! Les vacances. Oh, Alexander! Ouais, je sais, il fait chaud. Ah non. Alors, un peu de repos. Office du tourisme et... Donc on est sur la région de Costa del Sol, c'est... Carte du monde. Allez, région de la prairie avec là, c'est Midgard. On a Junon. C'est vrai qu'on n'a pas exploré. Ici, on a... Bah si, 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 ici on a exploré, c'est toute la prairie ça. Et donc là on est de l'autre côté. Donc là non, on a la région de Corel, et le Gold Saucer. Et plus à gauche normalement, ouais, là non, et là ici normalement il y a le Wutai. On va faire un petit arté sur Twitter.
Aller par là-bas. Je pense qu'il n'y a rien à explorer. On va voir si on trouve des trésors. Je suis derrière. Ça suit. Attention à pas tomber. Oh là là, ce Cloud. Bon, y a rien à explorer. Après, il faut quand même prendre les virages correctement. Et ça va vite en plus. Oh putain. Ah si, ça passe. Alors... On peut lui parler comme ça. Et bonjour. Ok, désolé de pourquoi. Pardon, j'ai pété un truc. Je fais peut-être une bourre, mais... Oh, ça passe. Oh, ça passe pas. Oh putain, on peut... Oh Chadley, comment ça va? Un petit pas à droite, un petit pas à gauche. Bienvenue à Costa del Sol, Cloud. Avez-vous pratiqué cette danse, vous aussi? C'est la première fois que je le fais et mon corps aime déjà se balancer en rythme. Nous devrions essayer de danser ensemble à l'occasion. Alors, simulateur de combat, j'imagine que c'est pour Alexander avec la 3.2. On était à la 3.0, on est à la 3.2. Et donc avec Alexander, mais Alexander on va pas le faire tout de suite. On ne sait jamais ce qui peut arriver au cours d'un voyage, alors soyez très prudents s'il vous plaît. Costa ! Les passagers qui ont réservé une chambre au Costa del Sol. Impossible. Ah d'accord. Je regarde. Ouais, je pense pas qu'il y ait quelque chose. Hein. Et bonjour. Costa, avez-vous besoin d'informations sur la ville? Je suis là pour vous renseigner. La rue principale. La rue principale est l'endroit rêvé pour faire un brunch shopping. Si vous voulez faire facilement le tour des nombreuses boutiques, je vous conseille d'emprunter un gyropode. La plage. Notre plage est prévue pour accueillir de nombreux sports et activités maritimes. Surf, plongée, chocobateau. Sans oublier le simple plaisir de nager dans cette mer d'émeraude. Le restaurant. Le Bar del Sol est l'un des lieux les plus populaires de Costa. Vous y trouverez des menus 100% locaux avec des plats de fruits de mer et des cocktails à base de fruits tropicaux. Mais faites attention à ne pas abuser des bonnes choses. Les hôtels. Comme vous le savez sûrement déjà, nos établissements les plus renommés sont le Royal Coast et le Costa del Sol Resort. Nous comptons bien sûr beaucoup d'autres hôtels, mais je crains qu'ils soient tous complets. Je vous encourage fortement à faire une réservation la prochaine fois. Ok. Où est-ce que je pourrais apprendre la danse traditionnelle de Costa? Costa! C'est votre jour de chance! Mais non. Afin de permettre à chacun de profiter au maximum de Costa del Sol, nous organisons une campagne de promotion pour nos gyropodes. Si vous avez le temps, permettez-moi de vous l'expliquer en détail. Notre campagne est un peu plus simple. Il s'agit juste d'utiliser l'un de nos fabuleux gyropodes et de faire le tour de Costa del Sol. Sachez qu'en fonction de la distance parcourue, vous obtiendrez un super cadeau. Alors, merci. Dites-vous, vous allez bien sûr participer à notre campagne, n'est-ce pas? Bah oui. Ah, je vous remercie infiniment. Je viens juste de vous inscrire à la campagne en question. Voyons. Faut faire 4000 mètres, ça va. Parcouru en gyropode. Toutes mes félicitations. Vous avez obtenu le permis novice. Nos gyropodes ont une faible consommation d'énergie Mako et n'ont donc que peu d'impact sur la planète.
C'est bien. Faire le tour de Costa del Sol pour améliorer votre score. Voilà. Le mec casse tout. Voilà, tu vois le mec qui tourne en rond comme ça. Putain, j'ai tout pété. Bon, pas de quête, mais il y en aura 5, j'imagine. Carnaval des cartes. Parking pour gyropode. Ok. Par contre, ils me disent qu'il y a un truc. Essayez de retrouver Yuffie. Ah. Désolé, mais nous sommes fermés pour le moment. Comment ça ? Bienvenue. Chasseur de pirates. Mais de rien. Course sauvage. Oh, pour conduire, c'est pas facile. Ah putain. Non, là, y'a rien. Ok, il n'y a pas tout qui est dispo. Si vous voulez le meilleur bazar de Costa, bienvenue. Je vois que vous êtes un connaisseur. Il n'y a pas d'article de qualité au bazar de la rue principale. Alors rentrez plutôt dans mon magasin. Alors, vous voyez des trucs. Un petit café. Venez des cours. Allez, vous pouvez m'appeler chef. J'aime bien quand les clients font ça. De l'attaque renforcée, protection. C'est-à-dire, oh. Disons, il y a des gars subis, et au moins le replay, je l'ai bien. Oh. On va en acheter 3. Merci. Les plus. Ok, comme ça on va voir si je peux vendre. Bonjour, de quoi avez-vous besoin? Voilà, comme ça on récupère masse fric. N'hésitez pas, passez quand vous voulez.
Bienvenue. Vous avez l'œil pour reconnaître une vraie sélection de produits premium. Je vous conseille de pas aller au bazar de la terre. Le fils y reste des champs libres. Carnage des pirates. T'es venu manger une glace toi? Ah bah y'a Yuffie. Oh, mais si ça se trouve, t'es là pour draguer. Allez, à vous. Tu le trouves trop mignon, mon maillot de bain, hein? On va dire ouais, ça te va bien. Ouais, ça te va bien. Que je me joigne à ton groupe, je pourrais vous être super utile, tu sais. Voilà, une fille de bien en vacances terminée. Ça sera plus amusant si je suis avec vous. Et pense au coup de jeune que ça donnera au groupe. Là, super. On est des vieux maintenant. C'est officiel. Je me sens vieux. Attends. Ouais. On monte les PM de 3. Défense magique. Tifa. On a les trucs de 5%. Bon, j'ai pas assez. Ça, je l'ai acquis, d'accord. On va augmenter la durée d'effet de vengeance. Leur concentration. Fait l'effet cuirasse en début de combat. Oh. Putain, on va mettre ça. Merci. J'ai entendu dire que... Alors. Bienvenue. Je vous souhaite un excellent séjour au Royal Coast. Avant le début du concert. Toutes mes excuses, mais nous n'avons plus de chambre disponible aujourd'hui. Ok. Merci beaucoup. Nous espérons vous revoir bientôt. Louéa de nos gyropodes vous évitera les enfants. Voilà. Tu diras pas. S'il n'y a pas un trésor, rien du tout. Alors, bonjour. Je suis désolée, mais aujourd'hui, nous n'acceptons que les clients qui ont une question. N'hésitez pas à repasser un autre jour. Tifa ! Frangin ! Oh non ! Oh putain, il est de retour. Je rêve ? Johnny ? Salut tout le monde ! Content de vous voir. Vous avez l'air en forme. Toi aussi. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais là? Accrochez-vous bien. Je me suis lancé dans un truc énorme. Je suis maintenant le propriétaire d'un hôtel. Mais non. Enfin, c'est un tout petit hôtel, hein. Ça tombe bien. On était en train d'en chercher un, justement. Est-ce qu'on peut y aller? Mais bien sûr que vous pouvez venir. J'en serais totalement ravi et honoré. Pour tout vous avouer, j'ai pas un seul client. Je sais pas trop, franchement.
quand même. On est des amis de longue date, pas vrai? C'est pas la peine de faire des manières. Allez, suivez-moi, on y va. Je sens bien le truc bien miteux. Bon alors, dépêchez-vous. Ah mais là, j'ai plus rien à faire au Tricky. Y'a Johnny. Surtout restez bien avec moi si vous voulez pas vous perdre. Je viens tout juste d'acheter, alors y'a encore quelques travaux à faire. Mais vous allez voir, ça a quand même de la gueule. Ah là là, c'est une sacrée histoire ce qui m'est arrivé. Je suis venu ici avec la meilleure volonté du monde. Mais j'avais pas d'argent, pas de boulot et pas de copine. La dèche totale. Je suis retrouvé à la rue comme un vulgaire rebut. C'est Monsieur Caponeau, le maire. Ah ouais, surtout que là avec Johnny. Il a cru en mon potentiel. Alors il m'a filé un tuyau pour une affaire immobilière en or. Un hôtel vendu à la moitié du prix du marché. En plus de ça, il est même allé jusqu'à me prêter l'argent. Un miracle. J'en ai pleuré. Il est où? Ouais, mais en même temps... Par ici. Il peut avoir de la gueule, mais il faut vraiment innover. Hein. Je vous présente le gîte balnéaire de Johnny. Vraiment en piteux état. D'accord. Non. C'est bien. Pas mal, pas vrai? Tu nous as dit que c'était un gîte balnéaire, mais on voit pas la mer. C'est pas une question de la voir. Hein? Regarde. Oh, vous sentez ça? L'odeur des embruns. Allez, entrez. J'espère qu'on aura une déquête pour innover tout ça, parce que Johnny, je vais pas te mentir, mais... Pour un gîte balnéaire, il est pas très balnéaire. Bienvenue au gîte balnéaire de Johnny. Alors, les chambres. Tifa, tu as la 101 et Iris, la 102. Quant à la jante masculine, vous serez tous réunis dans la chambre 103. Et le prix? Comme c'est toi, je vous fais une super réduction. Vous avez... Mince, désolé, il faut que j'y aille. Monsieur Caponeau a besoin de mon aide. Vous avez l'hôtel pour vous tout seul. Mettez-vous à l'aise. Faites comme chez vous. Oh! Si vous allez à la plage, n'oubliez pas de vous changer. Et interdiction formelle de trimballer vos armes là-bas. Oh! Tifa en tenue de plage! J'aurais bien voulu voir ça! On va prendre une douche. Ouais, bonne idée. Bon, ben, à plus tard. À plus tard, c'est quand? On peut profiter d'être là quand même. Y'a rien qui presse. Pas vrai? Ouais. Très bien, j'ai compris. Bon, ben, je vais faire un tour dans le coin. Au fait, vaudrait peut-être mieux que je change de tenue, moi aussi. Y'a pas à dire, ça me va trop bien. Yeah, il surkiffe. Bon, on se voit plus tard. Composition de l'équipe est limitée. Ça va, Red? Cette brise est agréable. On a choisi le parfait hôtel. Il est trop en kiff. Ah, il surkiffe, il adore. Alors, c'est bon, dire pas le droit. Bah oui, la porte est verrouillée. Ouais, franchement, surtout ça doit être cool. Hein. La nuit il peut faire frais. Désolé, je peux pas t'emmener. Manteau noir sur la plage. Ah, on peut la voir, on la voit à travers les trucs. Enfin, on ne regarde pas. Oula. Il a vraiment pas l'air très solide. Il faut qu'on aille tout là-bas. Par contre, on s'est pas changé. Hé, mon gars,
peux te proposer un hôtel bien meilleur que ce Tony. Homme louche. Qu'est-ce que t'en penses? T'as vu l'intérieur, non? Cette ruine vaut même pas 100 guilds. Et pourtant, son proprio s'est endetté jusqu'au cou pour se l'acheter. J'arrive pas à croire qu'il y a encore des gars assez stupides pour se faire avoir à ce point. T'as vu l'intérieur, non? Cette ruine vaut même pas 100 guilds. J'arrive pas à croire qu'il y a encore des gars assez stupides pour se faire avoir à ce point. Mais pourquoi le mec il m'a intercepté? Il compte pas faire un truc aux filles quand même. Attends, au cas où. Oh, salut Johan, j'espère que tu vas bien. Sans regarder l'écran pour pas me spoil. Bah ouais, j'imagine bien. Ça se passe bien ton sabaton? Costa! Dites-moi, est-ce que vous êtes tout seul? Vous ne trouvez pas ça dommage, vous? C'est fini. Il y a dû à combien de temps, à peu près? Si c'est votre cas, nous avons une bonne nouvelle pour vous. La ville de Costa del Sol organise un grand événement pour favoriser les rencontres entre visiteurs. Trouverez-vous votre âme sœur? Une seule façon de le découvrir? Participez à Costa de la mort! Alors, vous laissez-vous tenter par nos festivités? 4 jours, waouh! Oh, sérieux? C'est énorme. Après, tu dormais aussi entre temps. Au revoir. Une minute, c'est l'un de vos amis? Alors, ça tombe bien, on aimerait vous parler de ces gens. On n'a rien contre eux. Mieux quand tu dors. Ah, bah oui. Étranges. Il y en a tout un groupe sur la plage et ça fait peur à tout le monde. Ils n'ont aucun sens du style et ça casse complètement l'ambiance. Vous ne voulez pas leur dire de bouger de là? Ça nous rendrait service. C'est sûr, parce que ça serait impossible de faire 4 jours d'affilée. On vous laissera jamais aller sur la plage dans cette tenue. Ah. Vous êtes à Costa del Sol. Il faut apprendre à vous lâcher un peu plus. Pour vous y aider, voici le ticket. Ouais, 24 heures, c'est dur. Hein. Je l'ai fait une fois et... des pirates et au carnaval des cartes jusqu'à la fin de l'événement. C'est dur, c'est très fatigant faire 24 heures. Trouvez votre partenaire pour former une équipe. Quand vous réussirez des activités ensemble, vous recevrez des cartes en cadeau. Elles peuvent être échangées contre des tenues de plage. Alors on change de look et on passe en mode vacances. Bon, pour profitez club. De votre séjour à Costa del Sol. Peut-être y ferez-vous la plus belle rencontre de votre vie. Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Surtout, bah, surtout que le pire, c'est que c'est pas qu'il n'y a pas que ça. C'est que les 24 heures, c'est au début, tu vois, t'es là. Moi, je sais que je sais que je peux faire par exemple 12 heures de live. Même si là, en vrai, tu vois, il est presque 3 heures et tout. Mais c'est vrai que 24 heures, quand t'arrives à la fin des 24 heures, c'est très dur à tenir. Moi, je sais que par moment, tu vois, j'avais les yeux éclatés et tout, parce que c'est dur. Dans ton ordre, sont partis pour les suivre, faut vous faire une telle nuit. Partir à l'événement Costa de la Mort, qui est en cours pour auteur des cartes. Et c'est vrai que c'est genre, c'est dur et tout. Trop envie de regarder, aïe aïe aïe. Mais tu l'as commencé un peu, FF7 Reverse, sur le Sabaton ou pas du tout? Par contre, les cartes à mort s'obtiennent via notre événement Costa. Pour en gagner, il suffit d'accomplir des activités. Après aussi, le plus dur, c'est... Là, Chocobo de l'océan. Surtout que... Et le plus dur, c'est quand t'as des phases de moments où, tu sais, t'as personne, tu vois. Genre, je veux dire, encore ça peut être différent. Mais moi, je me rappelle quand je l'ai fait, avant, j'étais qu'à 2-3 spectateurs. Surtout à 2 spectateurs en moyenne. Donc ça fait que par moment c'était le néant le truc, tu vois. Et ça c'est quoi? Ah oui, c'est la campagne de promotion. Putain, faut que je prenne un petit pod là. Ouais, moi je me rappelais que genre c'était vers entre 5h à genre 12-13h. Bon, c'était, j'avais personne. Hein. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est pas... Mais ça fait pourquoi t'as fait ce bâton que généralement, on le fait pour fêter quelque chose. Là, j'ai quoi? J'ai le carnage des pirates. Et j'ai le carnaval des cartes. Bah attends, on va faire le carnaval des cartes. J'aime bien jouer aux cartes.
Ça fait, t'en es à peu près où dans le FF7 là, à peu près? Les cartes à mort. Vous pouvez les gagner en participant à des jeux à deux. Alors bonne chance. D'accord. Donc, Vous ne savez pas laquelle prendre, c'est ça? Je vous comprends. La chaîne, il a sorti FF aussi, bien évidemment. Ah oui, ouais, les 2 ans de la chaîne, moi ça fait un bout de temps. Moi je sais que j'ai créé la chaîne en 2017 et je sais plus comment voir pour. Je crois qu'il faut que j'aille dans statistiques. C'est assez... On va dire c'est particulier. Ouais, attends, ah si on peut trouver. J'essaie de voir. Attends, j'essaie de voir par rapport au truc. Parce que je sais, il y a un truc qu'on peut voir vraiment toutes les données. Ah, peut-être. Ah, ouais, attends. Que j'ai la date exacte. Parce que je vais te le dire. Ah oui, c'est bon. J'ai commencé mon premier live en octobre 2017. Ouais, c'est ça. Et j'ai commencé à avoir un gros bond de regarder à partir de 2022. De 2022, ça a décollé. Et les followers... Pareil, ça a commencé à décoller en 2020, où j'ai décollé un moment d'un coup. Mais ça, le moment 2020, c'était... ouais, c'est ça, c'était pendant l'été 2020, où il y avait les clés bêta Fall Guys que j'ai donné à beaucoup de gens. Mais après, ouais, c'est ça, depuis j'ai grimpé par là. Ça prend en compte à partir de quand t'es passé affilié. Oula, je sais pas s'ils le disent... Je sais pas s'il dit sur Twitch. Follower. Alors par contre, c'est vrai que j'ai que 0,2 followers par heure. C'est pas beaucoup. 1 follower par stream. Parce que je sais que je l'ai eu il y a très longtemps. Mais quand après, ils ont mis les succès Steam, ça me l'a enlevé. Ça l'avait enlevé à tout le monde. Et j'ai dû recommencer. Mais en gros, après aussi, j'ai eu des grosses périodes creuses, tu vois. Parce que tu vois, genre. Tu vois, j'ai commencé le 13 octobre. Et encore, là, c'est bizarre parce que... Pourquoi il met 13 octobre 2017 alors que... Moi, ils disent que le 1er janvier, j'avais déjà des lives. Mais... Ouais, je pense que c'est même en 2017, parce que tu vois, il me dit le 13 octobre, ils me disent que j'ai 163 followers, j'ai jamais eu 163 d'un coup. Ah, attendez, à moins que... Ah non, depuis le 17 novembre 2016, quoi. Ouais, je sais pas. Mais après, j'ai eu des périodes creuses, parce que tu vois, par exemple, le 2 novembre 2017, après j'ai repris que le 3 janvier 2018... Après du 11 janvier 2018, j'ai repris en mars 2018. Après du 9 mars 2018, j'ai repris le 6 avril 2018. Après j'avais un peu continué. Et là le pire, c'est que du 28 juin 2018
j'ai repris le 22 janvier 2019, tu vois. Et après, j'ai fait 12... Après, le 12 mars 2019, j'ai stoppé. J'ai repris que le 24 mai. Donc après, j'ai repris que le 24 juin. Et tu vois, j'ai eu des périodes creuses. Tu vois, on va dire 24, 25 juin au 15 septembre 2019. Ou après, j'ai repris que le 10 novembre 2019. Bon, encore, ça va. Après, j'ai un peu stream jusqu'à 23 février 2020. Ou après, j'ai repris qu'à partir d'avril. Et après, j'ai continué jusqu'au 19 septembre 2020. J'ai repris le 24 octobre 2020. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à enchaîner et que depuis je stream tout le temps presque, tu vois. Donc on va dire réellement, on va dire j'ai réellement commencé en 2020, tu vois. Ouais, c'est réellement en 2020 où j'ai réellement commencé à me mettre sur le stream. Ouais, j'ai dû refaire Followbot. Je sais pas, je sais que pendant les débuts, ouais, il y a eu du faux, je veux dire... Du followbot j'en ai eu, mais après Twitch les avait enlevés et tout ça. Tu vois. Je veux dire, le followbot je l'ai pas provoqué. Eh bien tu l'as trouvé. Tu sais, on utilise des règles un peu particulières ici. Comme les matchs se déroulent en équipe de deux, il m'était impossible. Bah après, c'est pas une question de reprise. C'est une question que à l'époque je vivais chez mes parents. Et avec toi à mes côtés, on va être imbattable. Bah le fait qu'à l'époque quand tu vivais avec les parents, tu sais quand ils changeaient d'opérateur. Tu vois quand ils changeaient d'opérateur internet, bah tu sais des fois t'avais plus de co pendant un mois, tu vois, genre j'ai vécu l'enfer. Et dans la grosse période que j'ai dit là où tu sais où j'ai une grosse période là où il y a eu un gros trou où j'ai pas repris, c'est que j'ai en fait j'ai emménagé là où j'habite. Et le truc c'est que pendant plusieurs mois, il n'y avait pas d'internet, tu vois. Donc, ça fait que je pouvais pas streamer tout. Et c'est finalement que quand j'ai eu la fibre où j'ai pu réellement reprendre, tu vois. En 2020, quoi. Parce que, ouais, j'ai emménagé il y a 5 ans, je dirais. Donc, ouais, en 2019, à peu près. 2018-2019. Et il n'y a que en 2020 où j'ai pu réellement reprendre. Allez, on va aller faire le carnaval de cartes. Premier tour. Donc deux. Donc ça fait que... Ça a été dur, quoi. Et depuis, maintenant, je continue. Et tu vois, pendant très longtemps, j'étais à 2-3 spectateurs. Des fois, ça m'arrivait d'avoir 5, tu vois. Mais là, il n'y a que vers 2023 où j'ai réellement commencé... Où je n'ai plus 2-3 spectateurs en moyenne. Et maintenant, j'ai au minimum 5... Ça se peut que ça se passe mal et que j'ai 3 spectateurs. Mais maintenant, voilà, j'ai entre 5 et 10 spectateurs. Et ça s'améliore au fur et à mesure. Et là, par contre, c'est incroyable. Qu'est-ce que je dois faire, là? Ah. D'accord, je dois faire un jeu. D'accord, il faut... Ah, c'est de la strat de cartes. En gros, j'ai un truc prédéterminé. Et c'est que comme ça après que j'ai l'avantage et je dois faire en sorte de gagner. T'as rien compris au jeu. Quoi? Ah ok. Bon j'ai mal fait. Tu peux gagner Cloud. Bah c'est difficile. C'est très difficile. Ah oui, je suis assez d'accord. Voyons voir ce que ça va donner. Je regarde de faire le bon truc. Oui, pas mal du tout. Oui, c'est parfait. Le jeu de cartes? J'adore, moi je surkiffe le jeu de cartes. C'est franchement... Franchement, moi je m'amuse trop à le faire. Ah ouais, non mais le Queen's Blood, là, il est cédo, trop dingue. Et là encore, là, je joue pas normalement. Là, en fait, il faut que je joue les cartes pour gagner, tu vois. Ouais. Tu te mouilles pas. Par un bonus, s'il te plaît.
parle. Concentre-toi. CFF, il est insane. Il est incroyable. Ok, et après je fais ça. Mais ouais, c'est vrai que Twitch aussi. Mais quelle perte de temps. Non, c'est pas ça. Alors, laquelle tu vas choisir? On verra bien ce que ça donne. Super, continue comme ça. 9, attends, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, mais là, je gagne pas. Hein. C'est pas ça. Tu peux gagner, Cloud. Ouais, les triple A, c'est que ça prend beaucoup de temps. Hein. C'est surtout ça, là, qu'est-ce que le truc. C'est pas ça. Vas-y, tu peux le faire. C'était simple. J'aurais pas choisi. Ok. Mais ouais, non, c'est vrai qu'après. Ouais, bah ouais, les triple A, c'est que ça prend du temps. Là, je sais qu'il y a des triple A, j'ai fait, ça m'a pris du temps à les faire et tout. Après, là, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de sorties de jeux. Donc, ça fait, tu vois, j'ai pu refaire le remake avec la découverte de l'intermission. Ça fait que c'était plutôt cool. Alors, soit je fais ça. Je comprends pas. En fait, je ne comprends pas. Oh, Cloud. T'es vraiment nul. Tu peux gagner, Cloud. Ça marche, bonne nuit. Bah, bonne nuit à toi. Merci d'être passé, Yuan. Ça fait super plaisir. Et ouais, passe quand tu veux. Et si tu mets les 3 en bas, t'as 17 et lui 16, non? Voyons voir ce que ça va donner. Oui. Non, parce que lui, il a 1 point. Et là, j'ai 14. Il faut que je fasse... 17. J'aime bien ta... Bah merci, ça fait plaisir. Je te renvoie le compliment aussi. Je passe un bon moment sur tes lives. Mm-hmm. Oui, c'est parfait. Comment ça, c'est parfait? Ah, mais parce qu'il donne 3 points de victoire. D'accord. Je comprenais pas pourquoi ça passait pas. Alors, laquelle tu vas choisir? Alors. Joue les 4 trios de Mog 2 et 3 maintenant quand cette carte est jouée. On verra bien ce que ça donne. Comme ça. Ouais, t'as fait le bon choix.
Ah bah voilà. Super, continue comme ça. Bon voilà. Félicitations. Vous nous avez offert un superbe match. J'espère vous revoir bientôt. Merci Cloud. C'était très amusant de jouer à tes côtés. Mais de rien. Si tu veux rejouer, je dirais pas non. Est-ce que je rêve ou c'est une invitation? Désolée, mais ça ne m'intéresse pas de jouer quand je sais d'avance que je vais gagner. Je préfère essayer de trouver de meilleurs adversaires. Je t'ai battu, tu sais. C'est très rare que je tombe sur des joueurs de mon niveau. Mais toi, tu en fais partie. J'espère qu'on aura bientôt l'occasion de se revoir. A plus. Eh bien, votre partenaire vous laisse tomber. Ne vous en faites pas, il y a aussi des matchs en un contre un. Profitez-en. Ah. Bienvenue au Carnet. Ah oui. Oh, intéressant, pourquoi pas. C'est toute une strat, hein. C'est toute une strat. Oh, les strats de fou. Elle fait la folle. Non mais c'est une fada, hein. Oh, ça, je sens la strat à la con comme ça. J'ai le tenté, mais ça a l'air trop simple. Ouais, c'est ça. C'est trop con. J'allais le perdre, c'est vrai. Ça, elle peut gagner un match, dire ah non, je participe plus à plus personne et elle est imbattable. Pas que t'as eu le diable de la mer. Alors. Une classe bien de Mandragore à votre. Mais quand elle est jouée.
Ok, ça va, ça c'était pas compliqué. Ça, j'ai un truc dans l'œil. Oh putain, j'ai une poussière dans l'œil. Rancune. Alors. Les deux trois puissants des cartes alliées adverses sur les cartes aspect quand. Attends, réduit de 3 la puissance des cartes alliées adverses sur les cases à effet spécial. Quand cette carte est détruite. De moins de 2 la puissance. Oh. Ah. C'était pas prévu. Ok. Attends, augmente de 2 la puissance de ces cartes quand une carte alliée est détruite. Ah mais oui, mais lui il pète, c'est ça. Alors lui, ok, j'ai compris. Donc moi ce qu'il faudrait que je fasse... sur le plateau. Alors je pense qu'il faudrait que je fasse ça, c'est ça. Carte alliée détruite. Je pense qu'il faut détruire les cartes alliées. Attends, il faut que je comprenne la carte. Ah, réduit de 3 la puissance des cartes alliées. Perso, j'aurais fait ça. À moins que lui, je le mets là. Ah.
Ah, pas mal. Ouais, bah oui, il aura que 4 ans. Et faut bien penser, hein. Moi j'aime bien, hein. Oh, je le surkiffe, hein. Étude des affaiblissements. On va relire mieux les cas. Phase 10. C'est pas ça. Pour moi, ça serait... À moins que ce serait... Non, j'ai pas le choix. Hein. Ah, bah oui. Ça le booste, ok. Et là, en faisant ça, voilà. Bah oui, il y avait ces deux-là, les booster. Bah oui, c'était du braille. Fallait le réfléchir. Ah, ils disent qu'on n'a pas tout fait. Hein. Ok. Y a l'autre truc à faire. Soyez les bienvenus au carnage des pirates. Ah. Tirez et pillez les navires de vos ennemis. On m'a refilé un billet pour cet événement à la Costa de Machin tout à l'heure. Je sais pas trop ce que c'est, mais on m'a dit de venir ici. C'est un événement organisé par la ville. Comment dire ? Le but, c'est de se faire de nouveaux amis. Et apparemment, mon partenaire, c'est toi. Hein ? T'as l'intention de participer à un truc comme ça, toi ? Je veux les cartes qui sont à gagner. La détermination de Claude et les cartes. Ah, attendez un peu. En vous regardant, je devine que vous êtes un pro de la gâchette. Je suis sincèrement navré, mais les tireurs experts comme vous n'ont pas le droit de participer à ce jeu. Mais c'est pas juste ça! Dans ce cas-là, fallait le marquer en grand ou le préciser dès le début! Ça se fait pas d'ajouter des règles, franchement! Je m'en occupe. T'as plutôt intérêt à assurer. Ok. C'est le côté du tir de la visée. La vitesse de la visée. Il faut que je fasse 15 000! Montre-nous de quoi t'es capable. Je suis pas prêt, hein. Concentre-toi, tu m'entends? Fais abstraction de tout ce qu'il y a autour et concentre-toi. Attends, mais on peut faire ça. Super.
genre déjà. Ah, c'est 15 000. La 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 la. Ouais, tu t'en es pas trop mal tiré. Félicitations. Ah merde. Vous avez fait honneur aux encouragements de votre partenaire. Ah, il y a intermédiaire. C'est le meilleur duo que j'ai eu l'occasion de voir aujourd'hui. T'as entendu ça, on forme le meilleur duo, il paraît. Putain, mais pourquoi j'ai la chaise qui se pète? Ouais, peut-être. Non mais franchement, tu peux pas tout simplement accepter le compliment. T'es plus obligé de te la jouer blasé avec moi, tu sais. Sur ce, je pars devant pour aller à la plage. Ramène-toi dès que tu te seras changé. Ouais bah attends. Bienvenue au carnage des pirates. Ah mais putain, c'est pas possible, j'ai la chaise qui veut pas. Attends. Merde. J'ai pas le temps. Par contre, R2 c'est horrible. Hein. Merde, j'ai raté le... Ah, c'est bon. Ah, c'était chaud. Ah, c'était... Après, là, je connaissais un peu mieux des trucs. Non, c'est bon. Oh, la vache. N'hésitez pas à repasser quand vous le voudrez. C'est bien amusé, le fin de tir. Oui, on enchaîne avec un quiz. Et après, il faudra que je fasse les 4000 mètres aussi. Ah, c'est ça, c'est 4000 mètres. Attendez, vous savez quoi? Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse ces 4000 mètres. Merci pour le GG. Après, je propose, c'est qu'on s'arrête et qu'on garde le côté plage pour la prochaine fois. Pour qu'on se mette au max dans l'ambiance. Ça se pétait pas, ça? Venez trouver la... Grâce à...
Moi aussi, pour voir Clank à son bon, c'est chaud. Ouais, je peux, ça, je peux comprendre aussi. Ah, c'est long hein, de faire 4 minutes. Chadley doit dire mais que fait Cloud? Oh là là, je glisse. Petit instant détente avec Cloud sur le gyropode, là je sais pas comment ils appellent ça. 3500. Ah, on pète tout. Ah, il plus que quelques centaines de mètres. Ah, c'est vrai que les sûr, je peux pas y aller pour le moment. Oh putain! Attends, on peut vraiment y aller ou pas là? Espérons Costa del Sol, ouais, on peut pas. Voilà! Comme ça, on a fini toutes les quêtes annexes. On pète tout. Et comme ça, on ira acheter les tenues la prochaine fois. De toute façon, il n'y a que deux tenues. Par contre, il faut que je vois les nouveautés. Parce que... Bandeau. On l'a... Ok, contre sommeil. Il n'y avait que ça qu'on a eu. On sait qu'on aurait d'autres trucs. Ah, par contre, et par contre, il y a ça. Action compétence synchronisée. Des armatios. Oh, merci pour le raid. Comment ça va? Attends, je fais le petit show. Oh, salut Mac, comment ça va? Attendez, je fais le petit shout out. Bonsoir à tous, comment ça va? Merci pour le raid. Enfin, bonsoir. Ouais, je pense que c'est le mieux. Je ramène du monde, bah c'est très gentil, c'est super sympa. On est sur FF7 Rebirth. On était en train de mettre des points, des compétences d'armes. Normalement, je prévoyais d'arrêter. Mais comme il y a eu le raid, allez, je veux bien continuer un petit peu pour votre plus grand plaisir. Mais juste mes petits points. En cas de garde. Ouais, on va mettre ça. On va mettre quoi, la force, ouais. Ça. Désolé. Bon, y a pas de souci, hein. C'est, on peut pas savoir. C'est de l'imprévu. c'est très gentil. Je regarde du ça. Tac tac. Et ça avec. Oh, ça c'est pas mal ça. Ouais, la durée du mode vengeance. Là, on est à Costa del Sol. Ça fait, vous étiez sur quoi? Faut le ban, je dis. Ouais, ouais, je pense. Un petit ban. Dans la gueule du Morbold. On le mettra.
de Doremi. Comment ça, Dodo? C'est un jeu de Doremi? Je connais Doremi Magie. C'est Jackbox Party Jam. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je connais pas du tout. Ou si c'est un sort de... Je sais pas, d'application. N'est-ce pas, mais quoi? J'ai des bisous à toi. Merci, le Dragonoff. Le Dragonaut, pardon. Merci à toi. Costa, Costa. Ici, vous pouvez échanger vos cartes contre bon, de j'ai deux cartes. De plage. On a la tenue surfeur et tenue chocobo de l'océan. Je pense qu'on va mettre la tenue surfeur. Plein de jeux commus, c'est trop bien. D'accord, je connais pas, faut que je regarde. Merci et bonne journée. Elles sont où, les cabines d'essai? Ça doit être ça. Oh, attendez, on va aller à la, on va aller à la plage. Tu voudrais pas participer? Jouer à de nos gyropodes vous évitera les ampoules au piège. Ok, faut le test. Changeons de tenue. Ah d'accord, en fait, ok, on peut tester comme ça. Oula. Ok. Bon non, on va mettre vraiment surfeur plage. S'il y a besoin d'aide, on est là. Hein. Ah voilà, la tenue plage, c'est ça qu'on veut. Allez, on part sur ça. Quand on est à la plage, il faut bien profiter. Ah bah oui, il y a les hommes en noir. Les hommes en manteau et noir. Ben, on dirait que la mer n'attend plus que vous. Vous souhaitez aller sur la plage? Des bisous. Ouais. Il y a déjà Barrette qui nous attend. Mais comment ce FF, il est insane. Franchement, le remake est déjà, était déjà fou, mais alors lui, c'est il est incroyable. Oh, il gâche complètement l'ambiance. Oh là là. Ah, te voilà. Les manteaux noirs se regroupent, on dirait. Ouais. Ils ont pourtant rien fait de mal, ces pauvres gars, pareil. Et malgré ça, les gens ont peur ou les traitent comme des chiens. Ils se font fouler partout où ils vont, c'est triste. Ils sont répugnants. Bon, allez, cassez-vous maintenant. Hé, hey, vous, laissez-les tranquilles. Oh. Graphiquement, elle est mieux que le 16. Je trouve ça va, ça y ressemble. Après, je pense qu'ils ont... Ça a duré plus longtemps le développement aussi. Mais il se met bien. Red, il se met bien sur le... Je te remercie d'avoir accepté de garder la porte. Oh, mais il n'y a aucun problème. Oh mince, l'eau s'arrête plus. Décidément, tout tombe en ruine ici. Ça me rappelle le bidonville. Ça y est, t'as déjà fini? C'est qui lui parle? Iris? Iris, réponds. Dis-moi. Oh. Merci pour le follow, je crois, mon gars. Attends, je te renvoie la même. Un color. Avant, elle était blanche. Et comment vas-tu? Bah ça va, et toi? Enfin, du moins. Je suis fatigué. Bon, y a pas de souci, pas de souci. Faut aller dormir, faut se reposer. Les matériaux. Mais merci encore pour le raid et le follow, hein, ça fait super plaisir. Ce sont des souvenirs, du savoir. Ah, c'est ça les voix qu'on entendait. C'est les fileurs. Ils me les ont pris. C'était des souvenirs importants? Oui. Extrêmement. Bon, et cette plage? Une bonne, bonne nuit, je vais dire. Tu ne devais pas aller chercher Tifa et sortir? Mais au plaisir aussi. C'est vrai. Ça fait que ça changerait toute la donne. Parce que
que normalement la matéria elle est blanche. Oh, on joue à Iris. Ok, avec Red. Ah, mais ça fait, il va avoir le type louche. Je te déconseille d'aller en ville toute seule. Si tu veux sortir, invite Tifa. Ah bah oui, bien évidemment. Surtout qu'il y avait un homme louche tout à l'heure. Tifa, c'est compliqué. T'es prête ? On y va ? Oui, une seconde. On peut y aller. Il faut qu'on se trouve des tenues appropriées. Et après ça, la plage. Ouais. C'est parti ! Yeah ! Girl ! vous pouvez contrer Iris ou Tifa et alterner entre avec elle deux. Changer de personne ne fera pas le déroulement de l'histoire. Tifa, bon, je... tu veux passer devant ? Ok, suis-moi. Donc, explique-moi. En gros, genre, j'explique vite fait. Alors, je bouge pas parce qu'il se passe des trucs. En gros, t'as le jeu Final Fantasy VII. Alors, t'as le Crisis Core où tu joues dans le passé. Puis après, t'as les films et tout ça. Il y a toute une ligne. FF7 Remake se passe au moment où FF7 original commence. Mais le souci, c'est que FF7 Remake ne se passe pas exactement comme le jeu original. Il y a des changements, il y a des choses qui ne se passent pas comme devrait se passer. Sachant que, par exemple, dans le remake, il y avait des fillers, des sortes de fantômes qui t'empêchaient de prendre telle direction, qui en fait... dans le jeu, t'apprends qu'ils veulent faire en sorte à ce que le destin ne soit pas changé. Ouais, on va dire c'est une sorte de nouvelle timeline. Donc le truc, c'est que toi, t'essayes de tout faire. Et ça fait tes persos qu'on ne vende pas. Et le truc, c'est que des fois, tu vas avoir des souvenirs de passé, mais tu sais, genre du jeu original, genre via des flashbacks, tu sais, de style flashback, genre de trucs qui se passent pas, qui s'est passé dans le jeu original mais qui avait pas dans le jeu, on va dire dans le remake, et ça fait que genre au début ça brine tout le monde, tu vois. Et en gros à la fin, si tu veux, à la fin en fait on détruit ce genre de destin qui t'impose, et ça fait qu'à la fin tu comprends que ça va plus se passer de façon pareille. Et le truc c'est que donc à la fin il se passe ça, et là tu vois par exemple il y a Zack. On apprend que Zack est en vie, alors que Zack normalement est mort. En fait, c'est comme si genre la timeline se fusionnait, mais qui en même temps tout se change. Ça fait que c'est un peu un beau bordel. Ouais, c'est ça. En gros, t'as un peu créé un univers alternatif. Dans la logique des choses, c'est que là, on joue une nouvelle alternative où en gros le monde ne finit pas mal, tu vois. Pour aider nos chers vacanciers à se faire de beaux souvenirs. Il y a même des activités pour les animaux de compagnie. En voilà une bonne idée. Comment ça se passe? Ravi que ça vous branche. Tout d'abord, prenez ces billets assortis. Sans oublier un autre pour le toutou. Pour toute la durée de l'événement, vous pourrez participer à la course sauvage et à la gyropromenade. D'accord, on a deux activités. Vous pourrez également... Non, Rebirth, c'est la suite de la timeline, en fait. La suite du remake. Alors, profitez à fond de votre séjour et amusez-vous bien. Costa ! Costa ! Génial, ça a l'air sympa. Ouais. Allons voir ça. Ok. On va tester ce truc. Non, en fait, le truc, c'est que, comme je le disais, à la fin de remake, tu casses la destinée. Tu casses le destin, tu casses la timeline qui était prévue. Et là, en fait, Rebirth, ça va être une nouvelle timeline. Et normalement, dans les trailers, ou même, je crois, les jaquets disent, en gros, c'est une nouvelle destinée. En fait, tu sais pas comment cela va se finir. Après, bien évidemment, il y a des endroits du jeu auxquels tu fais et que... on va dire que tu fais et qui est comme le jeu original, tu vois. Soyez les bienvenus à la course sauvage, le paradis de tous les animaux. Bah oui, c'est Costa. Oh, il a vu la nourriture. Le prix réservé au vainqueur de la course du
La fameuse viande façon tropicale. Elle a des abdos par contre, la montre du sol. Qui veut tenter sa chance pour cette succulente récompense? Ça te donne faim? Ah ouais, l'autre il a vu le jambon, il veut sauter dessus. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Bienvenue, cher ami au pelage rouge. Tu as envie de te dépenser? Tu es au bon endroit. La course sauvage. Compétition enflammée où 4 équipes de bêtes sauvages disputent une balle qui doit envoyer dans le but de camp adverse. Je joue à Fall Guys ou ça se passe comment? L2 sauter, tirer vers l'avant, envoyer la balle en l'air. Courir. Avancer, unique, premier, deuxième. Premier ex aequo. Ah ouais, non mais... Oh, bah ça commence, hein. Tape dans la balle. Oh la vache. Oh, merde. Oh là. Non, non, non. Oh merde. Oh merde, il y a 2 balles maintenant. Ok, maintenant c'est Oh oui. Moi je suis prêt en découdre moi. Oh, le chien il a faim hein. Ok, pour le moment je suis premier. Oh la vache. La Black Team. Allez, ça c'est bon. Oh non. Elle est où l'autre balle? Oh fais chier. Par contre j'ai sauvé le chien. Marque le pas. Ouais, ça c'est fait. Let's go. Bon, je me suis pris une balle, hein. Putain, la Shinra qui vient nous emmerder. Où est Johnny? Oh putain, Yink. Ne laisse pas passer ta chance de te... Ok. Hey, ça fait que j'ai obtenu un collier en argent. À bientôt, j'espère. Attends,
Attendez, il faut que je regarde parce que... En cas d'attaque, soit faible d'ennemi avec régiment de glace. Riposte en lançant. Ah ouais, mais ça va être vénère. Il a jamais été humanoïde. Hein. Il a jamais été. Hein. C'est ma version chien. Je vous l'ai pas dit. Ouais, on va faire. Donc Johnny qui a fait des conneries. Vite. Allez, allez. Vincent, tu veux dire? Non. Je me demande comment il est. Tifa? Ah, Iris? Qu'est-ce que vous faites ici? J'allais te le demander. C'est quoi cette valise? Elle appartient à un cadre de la Shinra. Je suis chargé de la porter jusqu'à l'hôtel. Oh merde. Mais pourquoi? Johnny? Tu détestais la Shinra pourtant. Qu'est-ce qui t'arrive? Ordre du maire. Je lui dois tellement, c'est pour lui que je le fais. En tout cas, on ne me traitera plus de radigou comme avant. Partons d'ici. Vincent, c'est dans le 7. Allons-y. On va le voir après. Terminé. C'est tout ? Ok. J'ai aux promenades. Bon, il met du temps. Apparemment, il faut rendre directement. Oui, mais pourquoi on l'attend là alors? C'est tellement ça. Oh, c'est un... pas un problème. Allez, hop. Wow. Chers visiteurs, je crains que la gyropromenade, n'est-ce pas? Vous êtes là pour la gyropromenade, j'imagine? Ah, ou Zach. Vous arrivez trop tard. Oui, Zach. Quel le copain d'Iris? Enfin, son premier amour. Tifa, Tifa? Attends, me dis pas que tu viens de Midgar, des bidonvilles. Si, pourquoi? Oh, Tifa, tu n'imagines pas comme tu m'inspires, ma chérie, ma déesse. Vous imitez Johnny? T'es tristement banal, en fait. Rien à voir avec le portrait que Johnny m'a brossé de toi. À l'entendre, j'imaginais une belle Midgarienne cool et branchée. Certainement pas ça. S'il te préfère à moi, c'est qu'il n'a aucun goût. Dis donc, la crâneuse, Tifa ne t'a rien fait que je sache. Bien dit, Iris. Elle est juste un peu jalouse. J'hallucine ou tu te la pètes? Hé, Jenny, je te paye pas à discuter. Va me récupérer les gyropodes. Tu me parles pas comme ça, c'est clair? Oh, j'en ai marre à la fin que tout le monde ici me prenne de haut. Je te rappelle juste ton job. Pas la peine, je démissionne. Ah, pourquoi ça se passe toujours comme ça? Vous deux, vous êtes des amis de Jenny, non? Non, non. Vous pourriez me rendre service et me ramener les gyropodes à sa place? Non, non. Entendu, on s'en non, occupe. Non. C'est bien de vouloir rendre service, mais il y a des limites. Je suis bien d'accord. Je me sens responsable. Tu vois, Red Red, bah, c'est un Red, c'est moi. Voilà, on a alors, le même avis. Je me dis qu'en aidant Jenny, je pourrais peut-être me racheter un peu. Tu comprends? Enfin, c'est surtout pour soulager ma conscience. Allez, au boulot. Tu es l'homme à tout faire. Ah non, mais. Le nul, alors j'y ai. Et le. Le pire. Attendez, le pire. C'est que. Quand j'ai vu les pods rouges sur le sol rouge, je me suis dit, à un moment donné, il va y avoir... Ça va être sûr et certain qu'il faudra que je ramène les pods à la bonne couleur. Et bien évidemment, cela n'a pas loupé. C'était sûr. Bon, maintenant, il faut que je les retrouve. Sachant que le pod rouge était au tout début, j'imagine qu'il faut que j'aille prendre tout le monde.
Ça faut pas le dire. Attendez, on va aller voir ça. Normalement le pod rouge était quelque part par là. Ils ont changé de pod. Dans la... Non, attends, vraiment pour une blague ou... L'événement Costa. Déposez dans le parking les gyropodes que vous trouverez. Oh, c'est le maître des gyropodes. C'est le maître des gyropodes. Oh. Avec cette chaleur écrasante. Non mais attends, il faut vraiment j'ai les... Ah, attends, est-ce que c'est eux indiqués? Pampa Bonheur? Non. Concert de piano? Non plus. Putain, il y a même un concert de piano. Poussez-vous. Putain, il y a le chef de la service. Puisque c'est un site génie, participez avec moi et le problème sera réglé. Je doute que ce soit conforme au règlement. Personne suivante, s'il vous plaît. Oh, encore vous. J'ai rempli la mission qui m'avait été confiée aujourd'hui. Il n'y a rien de mal à se détendre après le travail, n'est-ce pas? C'est vrai. Il est trop fier de lui. Utilisez l'appareil que voici pour photographier les 4 Pampa Bonheur cachés en ville. Bonne chance à tous les paparazzi. Goûtez à de petits moments de joie dans les rues de Costa del Sol en partant à la chasse. Pampa Bonheur. Pourquoi? Ça fait plaisir. Elle a un crush? Qui ça? À Iris? Comment ça, c'est pas un Pampa Bonheur? Non, je pense que c'est juste pour aider gentiment, tu vois. %, 70%. Quoi, y en a un autre caché?
grand bâtiment, donc j'imagine derrière. Sachant qu'il faut que je trouve aussi les gyropodes. Est-ce que cette mission va me faire stresser mentalement? Ah, si, c'est bon. T'inquiète, je l'ai vu, Faut bête à poil ou à plume, ont besoin d'exercice. Venez à la course. Ok, et il manque celui d'en bas et celui d'en... Ah, en plus, elle, elle tient la feuille, hein. Je trouve ça stylé. Bon. Alors, les gyropodes jaunes, voilà. Sur 6, 5 sur 6. Oh. Une femme sérieuse et compétente qui n'a pas peur de bosser dur. Si ça se trouve, c'est ce côté-là qui plaît autant à Johnny. Non. Ouf, où ça? Ah, non, non, pas ça. Ça, j'ai au pot de rouge. Faut salaire. Merde, toi, on s'est fait avoir. Non, il manque les bleus et les rouges. Rouge. Bleu. Attends. Attends, il y a la photo Pampa. Pampa. Trop de trucs. C'est le mec qui sait pas quoi faire. Oh, la photo. Chef de service qui a perdu toute crédibilité. Attends, je vais prendre le bleu parce que le bleu, je sais que normalement il est à côté le truc. Je crois qu'il est. Il est là, tu vois. Poussez-vous! Ah bah tiens, regarde, non, non, juste là. Les personnes munies d'un billet sont priées de se présenter dans le hall. Oh, j'ai tenté une stratégie. Et en plus, elle les a rangés de sorte que les personnes suivantes puissent les emprunter facilement. Non. Non. Je commence à comprendre ce qui fait son charme. Ouf, fois deux. Regardez, j'ai tenté une technique ancestrale. Oh, je sais pas si ça va marcher. Ok. Ah non, je peux pas changer avec Iris. Parce que j'ai dire si on peut prendre les deux. Cassez-vous. Poussez-vous! On s'en va, c'est à côté. Viens avec moi, Red! Dégage. Dégagez. Elle est consciencieuse, fiable et toujours prête à aider. Pas étonnant que Johnny soit. Ouais, c'est beau, je l'ai vu. Faut croire que je me trompais sur toute la ligne. Ah, t'es là, Jenny.
C'est bon, on a fini de ramener tous les gyropodes. J'en peux plus, ça devrait être interdit d'être aussi gentil. T'as gagné. Je renonce définitivement à Johnny. J'ai bien compris que je faisais pas le poids face à toi. Désolée pour ce que j'ai dit tout à l'heure. Tiens, deux cartes en gage de bonne foi. Sans rancune. Bah merci. Attends. C'est sympa de ta part. Je pense que tu devrais en garder une. Quoi ? Utilise-la pour t'offrir une tenue d'enfer qui fera tomber Johnny à tes pieds. À propos de Johnny et moi, il y a clairement un malentendu. On est des amis, rien de plus. Ah bon ? À entendre Johnny, ça avait l'air plus non, sérieux. Non, Johnny avait... Il a tendance à tout exagérer. Et surtout, il avait c'est renoncé. Hein. C'est un gars très gentil, mais il a la manie de foncer tête baissée dans les ennuis. Alors, en tant qu'ami, je me sentirais plus tranquille si quelqu'un était à ses côtés pour veiller sur lui. Ah, t'essaies de me le refiler pour te débarrasser de lui ? Mais non, pas du tout. D'accord, d'accord, j'ai rien dit. Ok, je vais tenter ma chance. En plus, j'ai l'impression d'en avoir appris davantage sur lui grâce à toi. Et puis, en amour, faut savoir s'accrocher. C'est vrai. A plus. Ah, au travail. Merci pour votre aide. C'est vrai, il faut savoir s'accrocher. Pas pour tout le monde, mais... Et voilà. Le mec a mal vécu. Le mec a été trauma. Ah, des photos. Je devrais sécher le travail plus souvent. Sécher le travail plus souvent. Peut-être que c'est ça pour la Chine. Très très astral, tout à fait. Alors, ah oui, d'ailleurs, regardez, si je zoome avec L1, hop, on peut voir comme ça, 30%. Comment ça, juste un instant? Ne me dites pas que je dois... Comment ça, un pampas juste un instant? C'est vraiment bizarre. J'étais pourtant persuadé d'avoir aperçu un pampas bonheur ici juste un instant. Comment ça, un pampas? Et quoi, dans la mer? Ou dans le ciel? Ah, t'es sûr, il passe vite alors? Ok, là ça m'éloigne. Ah mais les pampas ils vont trop mal hein. Petit. Le truc de feu. Quel truc de feu? Ça là, le feu d'artifice? Non. Les bornes. Faut que tu m'indiques parce que... Sur les côtes. Attends, sur les côtés. Attends, ça? Non. Hop, non. Attends. Là, il y a un petit. Ah, ça serait donc lui. Je sens
Non. Oh, les gros pieds bien dégueulasses là. Oh, cher Pampa, pourquoi me rendez-vous si caca? Mon cœur se serre à l'idée de devoir vous quitter. Pris dans la monotonie du train-train quotidien, avais-je oublié le sens de la vie? Mais d'un autre côté, comment pourrais-je tourner le dos à ma société? Mentalité Shinra un jour, mentalité Shinra toujours! Quel atroce dilemme! Le mec est. Le mec, il sait pas. Il sait pas quel choix faire. Appelez-moi œil de lynx. Waouh, franchement, c'était. Tu es incroyable. Heureusement que t'étais là, hein. Franchement. Charles, je te kill, en fait. Super le friendzone, super. Non, pas de friendzone, arrêtez. Putain, c'est qui a encore laissé un? Oh là là. C'est pas grave, je l'emprunte. Ah ben non, il faut pas que j'emprunte, parce que le prochain truc se trouve là-dedans. Poussez-vous. Tiens, Tifa. Oh, Andy et Madame M. Hélas, tu risques d'être déçu, je crains qu'il ne soit. Charles, je te quitte. Aïe, aïe, aïe. Le pianiste qui devait jouer aujourd'hui a disparu dans la nature en ne laissant qu'une lettre derrière lui. Qu'est-ce qui lui arrivait ? Il y explique qu'il s'est enfui avec son amant. Oh ! Enfui ? Carrément ! J'offre mon soutien à tous les amoureux épris de liberté, même si cela nous laisse avec un récital de piano sans pianiste. Le personnel de l'hôtel nous a alors imploré de l'aider à trouver un remplaçant. Je sais que nous avons la réputation d'avoir de très nombreuses relations, mais il y a des limites quand même. Mais dis-moi, ces mains... Ces doigts... Ils sont d'une grande fermeté acquise par la pratique des arts martiaux, et pourtant si délicats. Toi, tu as appris à jouer du piano, n'est-ce pas? Eh bien... Oui, j'ai pris des leçons quand j'étais petite, mais j'ai plus eu l'occasion de pratiquer. Ah, Andy, tu nous as fait des choses dans le remake, hein. Une bouche, c'est un peu dronchonné et laisse faire une professionnelle. Tu caresses les blanches et les noires. Les blanches et les noires. Les blanches et les noires. Moi, oh, j'ai la magie des mains. Elle m'a envoûté là. C'est... Putain, il faut que je fasse l'instant piano. Attendez, on va sauvegarder. C'est le guide. Ah oui, cette sauvegarde. La 7ème compagnie. À jamais dans nos cœurs. Ne l'oubliez pas. Oh, le thème de Tifa. Petit instant musique, les amis. Ouais, dans le remake, Andy nous a fait danser et tout. On était en robe et tout. Thank you.
Oh, c'est très sensible, hein, ça peut se foirer. Heureusement qu'on fait pas ça. Aïe. On est à la moitié. On a fait 3 ratés. Aïe. Pas grave, on foire. Aïe. Aïe. Je pense qu'on va devoir refaire. Les deux dernières. C'est hyper dur. Avez-vous vu ses doigts danser sur les touches? Avez-vous senti l'émotion? Ah, S, c'est chaud, ouais, 260. Performance d'une rare perfection. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour notre pianiste. Merci. Au moins, on a fait rang A. Mais c'est chaud, hein. Grâce à vous, le concert s'est tenu comme prévu. En remerciement. Ah ouais, avec Andy, c'est incroyable. Qui inclut la carte offerte à tous les spectateurs. Je crois non, il suffit juste d'avoir un. Prévu pour la prestation. C'est avec moi qu'il faudra voir ça, mon bon monsieur. Voyons si on ajoute les frais de déplacement d'impresario. Et qu'est-ce qu'on a encore? Ah, le pauvre mec. Le mec s'est fait en bas. De ce pianiste qui s'est enfui. J'ai ouï dire que lui et son amant étaient partis quelque part où ils espéraient ne plus jamais être séparés. Inquiétant. Aujourd'hui, tu n'as pas seulement aidé cet hôtel, mais aussi deux amoureux qui n'aspiraient qu'à un peu de liberté. C'est beau. La prochaine fois que tu monteras sur une scène, j'espère que ce sera la mienne. Au plaisir de vous revoir, mes adorables cupidons. Mmh. Oh. Deux cœurs. Okay. Le pauvre mec. Excusez-moi madame, je vous en prie madame, ne me faites pas de mal madame. Ne me tuez pas madame. Ah ouais, non mais Andy est très fort. Non franchement c'est un giga chat en plus. Bah go changer les vestiaires et mettre les nouvelles tenues. Con. J'ai oublié d'aller d'aller acheter des tenues. On va le faire. On va aller là-haut. Costa, si vous voulez échanger vos cartes contre des tenues de plage, c'est par ici. Alors, gracieuse baleine. Il y a des choses. Fleur de soleil. Et sirène rouge. À plus tard peut-être. Il n'y aura pas un truc un peu mignon pour aller avec. Fleur de soleil est sympa. À voir, à voir. Changeons les tenues. Tout c'est bien ce qu'on peut voir ça.
Gracieuse baleine, ça peut horrible comme nom de tenue. Ok. Je pense qu'on va mettre full plat, genre vraiment, on est là pour bronzette et... Tout pour Claude, les amis, tout pour Claude. Iris. Fleur de soleil. C'est vrai que fleur de soleil a l'air pas mal. C'est vraiment pas mal, fleur de soleil. Hein. Et sirène rose. C'est une plage un peu osée aux couleurs tropicales. Aïe aïe aïe, oui, caliente. Le truc, c'est que les deux sont bien. Pourquoi ma chaise est en train de baisser? J'ai croisé les jambes, c'est pour ça. Mais pour aller dans l'eau, c'est pas fifou. Alors je vous propose que ce live se termine de façon très caliente. Moi, je pense, l'une fait trop aguicheuse. Ouais, mais Claude, il doit prendre. Moi, je dis Claude... Hop là. Moi, je pense que Claude doit être en panique. Aller à la plage. Alors ça, c'est ce que j'appelle un look estival. Vous souhaitez aller sur la plage? Allez, on va faire paniquer Claude. Je veux voir la réaction de Claude. À nous la plage. Red, il a pas le droit. Bah arrête, c'est un chien. Oh wow. Oh pretty lady. Oh my god. Alors, t'en dis quoi? Hein? Tifa, on dirait que tu possèdes la souplesse d'un dauphin. Une de plage de Chloé est sortie à celle de Tifa. Tu as l'air flexible. Ah, ok. Comme une méduse. C'est ta façon de nous complimenter. Les arguments. Yuffie. Ah bah oui. Oh bah arrête. Claude, tout va bien? Oui. C'est juste que il fait très chaud. Je confirme. Faites gaffe. Pas prendre un coup de soleil, ça fait mal. Ça vaut encore plus pour toi, Cloud. Mais faut profiter. Wouhou, pas vrai? Oh, allez, écartez-vous. Oh merde. Vous ici, en voilà une agréable surprise. Non, je ne suis pas venu pour Aerys, rassurez-vous. Mais bien sûr, si tu acceptes de nous prêter assistance, ce sera avec grand plaisir. Tu peux toujours rêver. Peu importe. Vous allez bientôt pouvoir assister à un incroyable spectacle. Tu pourras peut-être y participer toi aussi. Oh, j'ai hâte de voir ça. Quelle bonne idée. Ojo, il a toutes les filles. Ojo, il est là en mode... Que diriez-vous de devenir mes assistantes? Vous seriez beaucoup mieux lotis en travaillant... Mais... Ah, c'est tentant. Il se trouve que j'ai justement besoin de femmes pour m'aider dans ma prochaine expérience. Imaginez ça, l'une de vous pourrait donner naissance au prochain héros de notre ère. Ce serait fou, professeur. Après tout... Un héros d'une grande beauté impressionne ses ennemis d'autant plus facilement, n'est-ce pas? Car en fin de compte, ce n'est ni sa grandeur ni sa puissance qui font d'un homme un héros, mais plutôt le regard que ses pairs posent sur lui. Est-ce que... vous comprenez ce que j'essaye de vous expliquer? Ben, pas vraiment, mais ça a l'air incroyable. Bienvenue, professeur, c'est un honneur de vous recevoir. Alors ça, c'est Manchemort, c'est des hommes qui sont liés à Sephiroth. Ils ont une partie de l'esprit de Sephiroth.
Et donc ça fait, Sephiroth de temps en temps peut intervenir et à un moment dans le jeu, il a pris l'un des corps de ses trucs pour nous aider à ne pas mourir. C'est quoi? Ils veulent... Je sais pas, mais... Je sais pas, mais Ojo, il a toutes les filles à ses pieds. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ok. Après ce moment de bonheur, on va stopper là, parce qu'il est quand même 4h30, on va pas se mentir. Voilà, avec cet instant plage. Je me retrouve tout seul dans mon équipe, impossible de changer. Barrett le marin, Tifa et Iris, en hot Kayente et Red, tout simplement. Allez, comme ça on va sauvegarder et comme ça on va pouvoir s'arrêter là. Mais en tout cas, ce chapitre 6, aïe aïe aïe, il va être vraiment incroyable. Non, franchement, on a passé un très bon moment entre Costa del Sol, avec Junon et la 7ème compagnie, nos plus grands fidèles soldats. Franchement, ça nous a fait super plaisir. Franchement, j'ai passé un très bon moment et j'ai hâte de faire la suite en tout cas.